Tard la nuit dernière, des agents fédéraux soutenus par les autorités locales ont investi un navire sur le port de Los Angeles. Plus d'une douzaine de femmes kidnappées ont été sauvées et escortées jusqu'à l'hôpital. Durant l'opération, ils ont également découvert une importante cargaison de marijuana. La police a choisi de ne pas révéler les noms des femmes ni celui des suspects. En revanche, un porte-parole du FBI a annoncé que les femmes provenaient d'un réseau de prostitution à échelle internationale. Ce trafic serait lié directement au cartel mexicain Mendoza. On n'est pas trop loin, là? Si je dois accélérer pour me rapprocher, les motards vont nous coller aux fesses. Au moins, on peut voir quelque chose d'ici. Prenez votre matos et posez votre cul. Bon Dieu! Putain, et c'est pour ça que vous me faites lever à l'aube. J'espère pour votre frère qu'il est pas en train de nous raconter des cracks. J'en connais un qui a pas pris son café ce matin. On sait même pas à quoi elle ressemble, votre putain de bagnole. Je vous l'ai dit! Il y a le symbole du gang dessiné sur le toit, merde! Bon, on va peut-être arrêter de se chercher des poux dans la tête et se concentrer sur le boulot. C'est quoi votre problème? Je veux le pognon et je veux ce salopard de menteur. Je pense que vous prenez les choses un peu trop à cœur. Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Ouais, a priori vous êtes pas du matin non plus. Le voilà! Le 4x4 avec son dessin sur le toit. Gangster of Love? Putain, non mais c'est une blague ou quoi? Allez, allez! Vous allez les perdre, putain! Il s'échappera pas, vous inquiétez pas. Si on les perd, on chopera rien du tout. Bien, restez derrière. Il s'en tirera pas cette fois. Combien de blé ils ont dans ces sacs, à votre avis? Sûrement pas 50 millions. Ça fait quand même un bon paquet de pognon. Je pense que deux des fourgons sont des leurs. Comment on peut savoir lequel est le bon? C'est lui avec Alvarez. Vous le voyez? À la place du mort. Je te tiens, fils de pute. Allez, on bouge avant de le perdre, cet enfoiré. Allez, allez! Par ici. Tuez-les. Putain, vous entrez pas ici. Oui, Alvarez. Hey!
bordelette se barre. Arrêtez-la, bloquez la route. C'est pas vrai. Coursez-le. Elle tourne. Chopez-la. Putain, ce truc est blindé. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Tirez aussi, vous, nom de Dieu! Derrière nous, les gardes, faites gaffe! Il faut qu'on les sème! Tourne à droite, attention! Sur cette putain de citerne! Merde! Qui tire sur la citerne? Cherchez Alvarez! Attention! Où est Alvarez? Je sais pas, il est parti. On n'a pas le temps. Putain! Evans, courez vers la colline et trouvez-le. Guerra, aidez-moi avec le pognon, vite! Aidez-moi à porter le pognon. On va le mettre dans la caisse. Il faut qu'on trouve une bagnole pour transporter l'argent. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Sortira pas d'ici. Hé, abruti. Ah.
putain, Guerra! Plus vite! Mettez-vous à l'abri! Hé, ma chérie, montre-toi! Montez! Il faut qu'on se tire d'ici! Merde! McCall! Guerra! Evans! Ben! Faites gaffe! Je fais sauter la serrure! Espèce de taré! Oh la vache! Oui, Alvarez. Envolé. Fils de pute! On va avoir besoin d'une voiture. Aidez-moi à porter le pognon. On va le mettre dans la caisse. Ainsi, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. La paix, mais une putain d'épée.
sur moi. À gauche. Allez, faut y aller! On doit se barrer avant que la patrouille se pointe! Montez, vite! Foncez! Il faut qu'on sème ces fils de pute! Si on sort pas de l'autoroute, on va se fracasser contre un barrage! Ralentissez pas! Qui nous suivent? Les pétés de thunes. Quelqu'un veut un billet pour Hawaï? On aurait dû serrer ce fils de pute. On a fait ce qu'on a pu, surtout. J'en suis pas si sûr. Eddie, la première banque du pays. Ouais, vous êtes qui? Pardon? Vous êtes qui, putain? Je vois pas de quoi vous parlez. Ok, écoutez. J'ai le fric, d'accord? Guerra, à qui vous parlez? Vous vous foutez de ma gueule? C'était qui, putain? Sûrement une de ses ex. J'imagine qu'Aranya va chercher à se venger. Il faut qu'on se tienne prêt au cas où il pèterait un câble. Ouais, peut-être. Peut-être qu'on devrait emmener la fille ailleurs. Peut-être. Ben, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'engueule et vous devez me protéger, je vous signale. Moi, je peux te protéger. Toi, oui, mais Guira et Evans, pourquoi elle est toujours en colère? Elle m'en veut ou quoi? Elle t'en veut pas, non. La situation est délicate. Evans n'a pas eu un parcours facile. Elle a perdu 2 frères dans les guerres de gang. Pas étonnant qu'elle soit dure. Tu lui fais confiance? C'était la première fille de sa famille à être allée à l'université. Elle a été diplômée en droit à Stanford. Voilà pourquoi le FBI l'a foutue dans l'équipe d'intervention. C'est une chance incroyable qu'on lui a donnée et elle ne veut surtout pas la foirer. Je l'ai entendue se disputer avec Guerra ce matin. Elle lui a dit que personne ne lui faisait confiance. C'est le seul à avoir survécu à l'attentat. Forcément, les gens se posent des questions. Guerra a cette casserole au cul et s'il veut s'en débarrasser, il va devoir prouver qu'il est clean. Vous devez travailler ensemble si vous voulez me protéger. Tu as raison. Je vais leur parler. On va se démerder, tu verras. Fais-moi confiance. Je te crois, Ben. Mais les deux autres, j'en sais rien.